Alors aujourd'hui, on est samedi matin. Donc, je vais prendre un jus d'orange, deux petits Suisses sucrés, trois biscottes et du beurre et un peu de miel. Je mange assez léger parce qu'il est déjà 10h30 et je mange dans 2h, 2h, 2h30. Donc voilà, là on est samedi midi, donc ça sera de l'eau. Donc c'est un truc de limonade, mais je vous assure que c'est de l'eau. Avec une orange, des champignons, en dessous il y a du riz complet et deux œufs. Et voilà pour mon repas de ce midi. Alors si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui mange et mon copain qui fait du bazar. Allez, bon appétit! Pour samedi soir, je mange au boulot. Donc dedans, je me suis fait un sandwich. Donc il y a jambon et fromage et un peu de beurre. Ça, c'est pour le repas du soir. Et avec une salade, ma sauce à salade qui est prête dans le récipient. Donc dedans, c'est une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre, moutarde à l'ancienne, échalote. Ça, c'est des soupes au cas où j'ai encore faim. Enfin, si j'ai trop trop faim, j'ai mangé ça. J'ai mangé une soupe, après je mangerai ce genre de sandwich et ma salade. Et en dessert, une compote sans sucre ajouté, pomme mangue. Et comme j'emmène aussi pour mon goûter, donc mon goûter, c'est meilleur des petits Suisses fromage blanc avec un gâteau M&M's. Donc voilà mon repas que je vais emmener pour l'après-midi, ce que je fais 14h30, 22h30. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche matin, donc j'ai la plus grosse flemme. Je me suis couchée à 4h, j'ai trop la flemme de déjeuner, il est déjà 11h30. J'ai mangé vers 1h30 grand maximum parce qu'il faut qu'à 2h je suis partie pour aller au boulot. Donc ça va être un petit déj léger, 3 biscottes, du beurre, du jus d'orange, des petits Suisses 3,8% matière grasse avec une dosette de miel. Voilà, petit déj très simple pour un dimanche matin, flemmasse, parce que si vous avez remarqué, je suis dans mon lit. Bon, les dimanches midi, j'ai complètement zappé de vous filmer mon assiette. Donc, je sais pas si vous allez voir, je m'étais fait une salade avec de la salade, du maïs, des carottes et un peu de fromage. Et à côté, j'ai mangé deux buns à la bolognaise. Voilà. Je vous montre mon goûter parce que pour dimanche après-midi, donc ça sera une compote pomme mangue avec deux biscuits Oreo. Et pour le repas du soir, je fais toujours 14h, 22h30. C'est une salade, je vais vous montrer. Alors, c'est une salade, donc dedans il y a de la salade, du maïs et des carottes. Et je rajouterai ma vinaigrette dans mon pot après. Un kiwi et après c'est des feuilles de briques. Donc c'est des briques avec du poireau avec un tout petit peu de crème. Donc j'ai fait cuire mon poireau sans huile, sans rien. Après j'ai mis un peu de sel, un petit peu de crème, un tout petit peu de fond de veau. Et j'ai mis 30 g de bûche de chèvre dans la totalité. Et du coup après j'ai fait des briques que j'ai passées au four. Et voilà. Donc pareil, si j'ai beaucoup faim ce jour-là, je prendrai une soupe en plus. Sinon, ça sera ça mon repas. Allez, à plus tard. Bonjour, donc là on est lundi matin. Donc pour moi, au repas, ça sera très simple. Ça sera juste du jus d'orange avec deux biscottes et un peu de beurre parce que je mange dans pas longtemps. Et je sais qu'il faut que je mange toujours un petit peu. Enfin, c'est ce que m'a dit ma nutritionniste, qu'il fallait toujours que je mange un petit peu le matin, mais il faut diminuer mes quantités. Donc d'habitude j'en mange 5 le matin quand il est déjà 9h, là il est déjà 11h, donc j'en mange que 2 et je remange dans 1h, 1h15, donc c'est pour ça. Bon, à tout à l'heure. Donc ce midi c'est couscous, donc couscous maison avec de la semoule, des légumes à couscous, du poulet et une merguez. Donc j'ai pas pris de dessert parce que j'ai une bonne assiette, donc on verra si j'ai encore faim après. Donc on est toujours lundi, donc pour le goûter ça sera des Oreos avec des petits Suisses. Donc ça c'est mes Oreos que je vous avais montré dans la vidéo d'hier. Mais en fait je ne les ai pas mangés parce qu'au boulot j'ai mangé des petites tranches comme ça, une petite tranche de cake aux fruits.
Donc du coup, comme je ne l'ai pas mangé hier, je l'ai mangé aujourd'hui. Avec mon produit laitier, vu que je ne l'ai pas mangé ce midi. Et ce soir, donc toujours, il y a de la lumière, tout décale, voilà. Donc pour ce soir, au repas, c'est un sandwich, vous voyez que j'ai coupé en deux. Donc dedans, un tout petit peu de beurre, du fromage, 30 grammes, de la rosette, carottes, tomates, asperges et un petit filet de mayonnaise, mais c'est tout. Très peu de grains, vous voyez, enfin, très peu en fait. Le beurre, en fait, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu de noyau. En fait, j'ai ma quantité pour la journée, mais sans répartir en deux fois. Mais là, je pense qu'il va être super bon avec le petit fromage et tout. C'est du faux épi. Donc, comme j'ai du fromage dans mon sandwich, je ne mets pas mon produit laitier à côté. Donc, en dessert, ça sera une compote pomme abricot sans sucre ajouté de Charlie Alice. Voilà pour mon repas. Bon, on est mardi matin. Je vous montre mon petit déjeuner. Donc là, dans le verre, c'est un smoothie. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il est aussi... il n'y en a pas beaucoup. C'est un kiwi et 8 fraises avec mon beurre et 2 tartines de biscotte, de cracotte. Donc, comme hier, je ne me suis pas levée de bonne heure. Je mange dans 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, un petit déjeuner léger avant le repas du midi. Voilà. Fauté pour ce mardi midi, c'est le même repas qu'hier. C'est un couscous que j'ai fait maison et on verra si je prends un dessert ou pas. Hier, j'en ai pas pris, mais là, je sais pas, peut-être une compote ou un fruit, je sais pas du tout. Donc, voilà mon repas. Mardi après-midi, donc mon goûter, ça sera deux petits Suisses avec un truc d'Oreo, comme hier. Et mon repas du soir, c'est ça. Donc, je vous ai peut-être pas spécifié, mais en fait, quand j'emmène ma gamelle, ça veut dire que je mange au boulot. Et quand je mange au boulot, tous les soirs, au boulot, je mange un potage. Donc, je mange un potage et après, je mange mon plat que je vous montre. Mais comme je ne peux pas vous montrer mon potage du boulot, ben voilà, mais tous les soirs, je mange un potage. Et tous les soirs aussi, en rentrant du boulot, tout le temps, je me prends une infusion avec 2 morceaux de chocolat. Ça, voilà, je préfère à vous dire. Donc, tous les soirs, je ne vous montre pas forcément, mais je prends une infusion avec 2 morceaux de chocolat quand je rentre le soir. Donc, on va revenir à ma gamelle de mardi soir. Donc, dedans, c'est une grosse gamelle. Donc, en fait, c'est à peu près ce que j'ai mangé hier. Donc, il y a du maïs, il y a des asperges, des tomates, des carottes, du gruyère et du morceau de cachir avec ma petite vinaigrette qui est là. Là, j'ai déjà mis les morceaux d'échalote, mais ma vinaigrette, elle est là. Donc, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe d'eau, de la moutarde dans l'ancienne et la moutarde à l'ancienne et du vinaigre balsamique. Mon yaourt, enfin, mon fruit, ça sera une compote pêche-mangue sans sucre ajouté. Et j'ai mes petits morceaux de pain qu'ils étaient au congélateur et qu'on va décongeler tout doucement pour accompagner ma salade. Et comme je vous disais, mon bol de soupe et en rentrant ce soir, 2 carreaux de chocolat avec mon infusion. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est mercredi matin. Donc pour le petit déjeuner, ça sera un verre de jus d'orange avec 2 fromages blancs, une tartine de pain. C'est une tartine de pain de mie complet avec un peu de miel et du beurre. Voilà. Donc ce midi c'est repas chez maman. Donc elle a fait des boulettes de viande à base d'un reste de pot-au-feu. Alors c'est un reste de pot-au-feu avec de la chair à saucisse. La chair à saucisse, elle en a fait des boulettes qu'elle a fait revenir dans une sauce maison. Et un peu de pâte. Et puis on verra si j'ai encore faim et sinon ça sera un dessert ou sinon non. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve ce soir pour le repas. Donc ce midi, je ne vous ai pas montré, mais en plus de mon plat que je vous ai montré, des pâtes avec des boulettes, j'avais mangé une tranche de fromage. Donc ce soir, c'est de la soupe que j'ai fait maison dans mon blender avec une toute petite cuillère de lait. 2 tranches de pain aux amandes et aux noisettes. Et dessus, je le tartinerai de beurre avec une tranche de blanc de dinde.
Et en dessert, c'est du fromage blanc avec un tout petit peu de sirop d'agave, un kiwi et 4 fraises. Voilà, voilà. Bon appétit. On est jeudi matin, donc repas très rapide parce que je vais à Paris avec le boulot. Donc pain de mie, beurre, jambon, petit suisse et un smoothie orange fraise et un peu d'eau. Voilà.